est vraiment très heureux et très honoré de pouvoir être avec la jeunesse de Más que Vencedores. Nos sentimos muy honrados de poder estar con la juventud de Más que Vencedores. Mais aussi avec la jeunesse de ce pays. Pero también con la juventud de este país. Et j'aimerais pour introduire ce message. Quisiera para poder introducir este mensaje. Vous poser une question. Hacerles una pregunta. Si vous deviez ce soir raconter le souvenir le plus fort, le plus marquant de votre vie. Si tuvieran que contarnos cuál es el recuerdo más fuerte, más importante en su vida. Lequel serait-il? ¿Cuál sería? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Tómense algunos segundos para pensar en eso. Est-ce que ce serait le jour où vous avez eu votre diplôme? Podría ser el día en que recibieron su diploma. Un voyage que vous avez fait qui vous a marqué. Un viaje que hicieron y que les ha marcado. Un événement particulier, familial, personnel. Un evento en particular, familiar, personal. Peut-être aussi, malheureusement, un événement peut-être plus tragique. O puede ser, lastimosamente, un evento un poco más trágico. La perte de quelqu'un. Haber perdido a alguien. Une déception amoureuse. Una decepción amorosa. Enfin, un souvenir marquant. Un recuerdo que les haya marcado. Lequel serait-il? ¿Cuál sería? Je laisse pour le moment cette question. Les dejo con esta pregunta. Et on va ouvrir la Bible ensemble dans le livre de Deutéronome. Y vamos a abrir la Biblia juntos en el libro de Deuteronomio. Au chapitre 4 et au verset 7 jusqu'au verset 9. Capítulo 4, versículos 7 a 9. Ouvrez la Bible, partagez la Bible si vous l'avez avec la personne à côté de vous. Compartan su Biblia si tienen una con la persona que está a su lado. Deutéronome 4, verset 7. Deuteronomio 4, versículo 7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. C'est le verset 9 qui va attirer notre attention particulièrement. Vamos a concentrar nuestra atención en el versículo 9. Vous l'avez compris, on va parler du souvenir. Creo que comprendieron, vamos a hablar del recuerdo. Et peut-être l'avez-vous remarqué dans la Bible en général. Y creo que se han dado cuenta que en la Biblia en general, le Seigneur a toujours eu ce souci de voir son peuple cultiver le souvenir de ses œuvres. El Señor siempre ha tenido esta necesidad, le da importancia al hecho de cultivar y mantener el recuerdo en el pueblo. Y on va voir après de quel souvenir le Seigneur parle. Y vamos a ver de qué recuerdo el Señor habla. Mais on peut prendre d'autres textes dans le livre des Proverbes. También podemos tomar otro texto en el libro de Proverbios. Proverbe 3, chapitre 3, verset 1er. Proverbios 3, versículo 1. Proverbios 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Tu peux continuer. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Et Proverbes chapitre 7, verset 1er aussi. Y también en Proverbios 7, versículo 1. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos.
Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Voilà ce que dit le Seigneur. Esto es lo que está diciendo el Señor. Et nous, on reproche souvent au peuple d'Israël d'avoir la mémoire courte. Reprochamos seguido al pueblo de Israel que tenga una memoria corta. Et d'avoir si facilement oublié les bontés du Seigneur. Y que olviden tan fácilmente las bondades de Dios. C'est vrai? Es cierto. Mais je crois surtout que c'est dans la nature humaine. Pero creo que es algo que se encuentra en la naturaleza humana. Et que dans la nature humaine, il est plus facile d'oublier le bon. Y que en la naturaleza humana es más fácil olvidar lo bueno. Et cultiver le moins bon. Y cultivar lo menos bueno. Peut-être l'avez-vous vécu à l'école ou avec vos parents ou des amis ou au travail. Tal vez esto lo han vivido en la escuela, con sus padres o en el trabajo. Vous pouvez faire 10 bonnes choses. Pueden hacer 10 cosas buenas. Il suffit d'une erreur. Solo un error es suficiente. Pour qu'on se souvienne surtout de cette erreur. Para que uno se acuerde sobre todo de ese error. C'est vrai? ¿No es cierto? Malheureusement. Mais les mauvaises nouvelles ou les mauvais souvenirs. Pero las malas noticias o los malos recuerdos. Ont cette capacité, cette force d'étouffer les bonnes nouvelles, les bons souvenirs. Tienen la capacidad de apagar las buenas noticias y los buenos recuerdos. Voire même de nous les faire oublier. Inclusive pueden hacernos olvidar. J'aimerais vous parler un petit peu de la mémoire, un petit peu de la science du cerveau. Quisiera hablarles un poquito de la memoria, de las ciencias del cerebro, de las neurociencias. On dit que, peut-être le savez-vous, que la mémoire est intemporelle. Tal vez lo sepan, pero la memoria es intemporal. C'est-à-dire que dans cette partie du cerveau, cette partie de notre cerveau ne sait pas si ce qui est stocké est arrivé hier, ce matin ou il y a 10 ans. Lo que quiere decir es que en esta zona en la que el cerebro guarda los recuerdos, el cerebro no puede identificar si las cosas que pasaron, si las informaciones ocurrieron hoy, ayer o hace 10 años. Okay. C'est une autre partie du cerveau. Es otra parte del cerebro. Qui nous permet plus ou moins de définir la chronologie. La que nos permite definir la cronología. Et il y a des événements, nous le savons. Y hay eventos, lo sabemos. Qui resteront gravés toute notre vie dans notre mémoire. Que quedarán grabados durante toda nuestra vida en nuestra memoria. Et parfois avec un niveau de détail très impressionnant. Y a veces con niveles de detalles impresionantes. Écoutez bien cela. Escuchen bien esto. On dit que les souvenirs sont proportionnels à leur intensité émotionnelle. Los recuerdos son proporcionales a su intensidad emocional. OK? On va donner un exemple. Está bien, les voy a dar un ejemplo. C'est-à-dire qu'un souvenir qui est neutre, es simple, decir, que un recuerdo neutro, simple, qui est pas trop chargé en émotion, que no está muy cargado de emoción, aura moins de chances de rester gravé dans notre cerveau, y que tiene menos posibilidades de quedar grabado en nuestra memoria, qu'un souvenir qui est chargé en émotion. Que un recuerdo que está cargado de emoción. Si je vous demande, qu'avez-vous mangé il y a 2 jours? Si les pregunto, ¿qué comiste hace 2 días? Il va falloir un peu réfléchir et peut-être vous ne vous en souvenez plus. Tal vez van a reflexionar un poco y puede que ni se acuerden. Moi, j'ai un peu de mal à me souvenir ce que j'ai mangé il y a 2 jours et je mange beaucoup en plus. A mí me cuesta un poco recordar lo que comí hace 2 días. Y además, estamos comiendo mucho. Estamos en Paraguay. Mais je me souviens le premier asado que j'ai mangé. Pero recuerdo el primer asado que comí hace 13 años. Dans la maison de mon beau-père. En la casa de mi suegro. Celui-là, je m'en souviens. De ese, yo me acuerdo. Mais tous les autres qu'il y a eu après, j'ai du mal à m'en souvenir. Pero de todos los otros que comí después, me cuesta recordar. Il y a des événements comme ça, comme
peut-être encore plus forts en émotion, comme une naissance, un mariage. Y hay otros eventos más fuertes en emociones como un nacimiento, un casamiento. Qui laissent des bons souvenirs et précis à notre mémoire. Que nos dejan buenos recuerdos y muy precisos en nuestra memoria. Moi, je me rappelle le premier jour où j'ai rencontré Phoebe. Yo recuerdo el primer día cuando conocí a Phoebe. Aïe, aïe, aïe. Non, non, que pesada que es esta chica. Este fue la primera palabra. Esa fue la primera parte. Après, ça a changé. Luego cambió. Luego Mais je cambió. Me souviens de ce jour-là. Pero recuerdo ese día. Je me souviens du premier jour que je suis venue dans cette église. Recuerdo la primera vez que vine a esta iglesia. Il y a des souvenirs comme ça marquants. Hay recuerdos que marcan. Mais malheureusement aussi. Pero lastimosamente también. Il en est de même avec les souvenirs tragiques. Pasa lo mismo con los recuerdos trágicos. Comme les traumatismes d'enfance. Como los traumatismos de infancia. Des abus. Los abusos. Un accident. Los accidentes. Etc. 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 Mais la seule différence. Pero la única diferencia. Avec les événements, les bons événements, les bons souvenirs. Con respecto a los buenos recuerdos. C'est que les souvenirs tragiques. Es que los malos recuerdos, los recuerdos trágicos. Occasionnent souvent des dégâts, des dommages. Ocasionan daños. Il y a une étude qui a été faite en France il y a quelques années. Unos estudios, unas búsquedas, investigaciones han sido hechas en Francia. Dit que une émotion trop intense et notamment traumatique. Que dicen que una emoción muy intensa y sobre todo traumática. Entraîne une distorsion de l'encodage du cerveau, de la mémoire. Trae con ella una distorsión del código del cerebro. Et donc le souvenir qui est mémorisé sur le long terme. Así que el recuerdo que es memorizado a largo plazo est un électron libre. Es un electrón libre. Il n'est pas stocké là où il devrait être. No está guardado, clasificado en donde debería estar. Et cela provoque des effets indésirables dans le cerveau. Y esto provoca efectos no deseados en el cerebro. Certains événements tragiques provoquent des amnésies. Algunos eventos trágicos pueden provocar amnesias. Peut-être l'avez-vous vécu. Tal vez lo has vivido. Vous avez comme oublié une partie de votre vie, d'une année, d'un mois, d'un événement. Tal vez olvidaste una parte de tu vida, un mes, una semana, algo en tu vida, un tiempo en tu vida. C'est les effets d'un choc traumatique. Son los efectos de un shock traumático. Mais cela peut aussi provoquer l'inverse, ce qu'on appelle une hypermnésie. Pero también esto puede estas emociones traumáticas pueden provocar lo contrario, que es una hipermnesia. C'est-à-dire que ce souvenir traumatique va rester gravé dans un niveau de détail impressionnant. Es decir que este recuerdo traumático va a quedar grabado en el cerebro con un nivel de detalles impresionante. On va se souvenir des paroles. Vamos a recordar palabras. On va se souvenir des lieux. Lugares. On va se souvenir d'une odeur. Vamos a recordar olores. D'un goût. Gustos. Et c'est pire que ça quand on va peut-être ressentir la même odeur. Y lo peor es cuando vamos a volver a sentir este mismo olor. Ou goûter à la même chose. O probar la misma cosa, el mismo Notre gusto. Cerveau va réagir comme si nous étions encore en train de vivre l'événement. Nuestro cerebro va a actuar como si estuviéramos viviendo de nuevo este evento. Alors qu'il est peut-être terminé, passé depuis 10 ans. Pero este evento seguro pasó hace 10 o mucho más tiempo. 10 años o mucho más tiempo. Tout ça pour dire que notre cerveau a des mécanismes pour réagir aux événements traumatiques, pour se protéger. Todo esto les cuento para explicarles que nuestro cerebro tiene mecanismos para reaccionar y para protegerse. Mais pour tout ce qui est des bons souvenirs, pero todo lo que concierne los buenos recuerdos, c'est plus variable. Esto es más variable. Ça peut sembler moins intense.
puede parecer menos intenso. Et c'est pour ça que dans le texte que nous avons lu dans Deutéronome 4 verset 9, y es por eso que en este texto que acabamos de leer en Deuteronomio 4 verso 9, le Seigneur encourage intentionnellement son peuple à se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui. El Señor alienta a su pueblo a que intencionalmente recuerden todo lo que hizo por ellos. Il dit, veille attentivement sur toi-même tous les jours. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. En francés dice, todos los días. Afin de ne pas les oublier. Para que no olvides. C'est un acte volontaire. Es un acto voluntario. Parce que naturellement, on peut très vite oublier les bonnes choses. Porque naturalmente podemos olvidar muy rápidamente las cosas. Je vous disais tout à l'heure, mais de quel souvenir parle le Seigneur à son peuple? Y les decía hace un tiempo, ¿de qué recuerdos habla el Señor a su pueblo? Le Seigneur ne parle pas ici. El Señor no les habla aquí. Du souvenir de l'esclavage d'Égypte. No les habla del recuerdo de su tiempo de esclavitud en Egipto. Le peuple. Pardon, c'est moi. Le peuple n'avait pas besoin. Oups. Ah, Esmi, c'est moi. Soy yo. Soy yo, señor. Ah, ok. Va changer. C'est bon. Donc, le Seigneur ne parle pas ici du souvenir de l'esclavage. El Señor no está hablando aquí del recuerdo de la esclavitud. Le peuple n'avait pas besoin de Dieu pour se rappeler de l'Égypte. El pueblo no necesitaba a Dios para acordarse de Egipto. Pour se rappeler du traumatisme de l'Égypte. Se acordaban del traumatismo de Egipto. Le peuple se rappelait même du goût des fruits. El pueblo se acordaba hasta del gusto de las frutas y verduras. Mais il va oublier les bonnes œuvres de Dieu. Pero va a olvidar las buenas obras de Dios. Mais Dieu, lui, fait référence au souvenir de la délivrance accordée. Dios se refiere al recuerdo de la liberación que les dio. Aux soins qu'il a pris pour son peuple dans le désert, avec la manne, avec l'eau, etc. A todo el cuidado que tuvo hacia su pueblo, con el agua, con la manna que caía. Au souvenir des préceptes, des lois qu'il a donné à son peuple. Al recuerdo de las leyes, de los preceptos que dio a su pueblo. Mais tout cela semble s'être estompé. Pero todo eso parecía haber sido de a poco apagado. Dans la mémoire des enfants d'Israël. En la memoria de los distorsionado, apagado, sí, en la memoria del pueblo de Israel. Et c'est pour ça que Dieu dit à son peuple, veille attentivement. Es por eso que el Señor dice a su pueblo, guarda con diligencia. Quiere decir también, cuida. Le psalmiste va dire dans le psaume 106, el salmista va a decir en el Salmo 106, versículo 7, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Nuestros padres en Egipto no estuvieron muy atentos a tus milagros. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Y no recordaron la multitud de tus gracias. Et en conséquence, ils furent rebelles. Y por consecuencia fueron rebeldes. Écoutez bien cela. Escuchen bien esto. Il est une vérité qu'il faut garder à l'esprit. Hay una verdad que hay que guardar, que hay que tener presente en su espíritu. Rappelez-vous cela. Recuerden esto. Se rappeler et cultiver dans nos esprits essentiellement le souvenir de ce qui est négatif. Recordar y cultivar esencialmente el recuerdo de todo lo negativo. C'est le meilleur moyen pour nous de devenir des personnes aigries. Es la mejor manera de que nos volvamos personas amargadas. Envieux. Envidiosas. Jaloux. Celosas. Rebelles. Rebeldes. Quand les mauvais souvenirs ont pris le dessus sur les bons. Cuando los malos recuerdos sobrepasan a los buenos. Quand on a oublié
de rappeler à notre cœur les bontés du Seigneur. Cuando olvidamos, cuando hemos olvidado de recordar a nuestro corazón las bondades de Dios. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour dire que d'un autre côté, je veux croire. Y si estamos aquí esta noche es para decir que yo quiero creer. Qu'il y a un véritable bénéfice. Que existe un verdadero beneficio. À éduquer nos cœurs à la mémoire des bons souvenirs. Cuando educamos nuestros corazones y para tener la memoria de buenos recuerdos. Ou peut-être de préparer nos cœurs pour cultiver les souvenirs bons. O tal vez preparar nuestros corazones para cultivar los buenos recuerdos. Parce que c'est évident, c'est une démarche volontaire. Porque es evidente, es un acto voluntario. C'est une démarche provoquée. Es un acto provocado. Afin de ne pas oublier. Para no olvidar. Afin de ne pas laisser sortir de nos cœurs. Para que no salga de nuestros corazones. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Todo lo que el Señor ya ha hecho por ti. Et je crois que c'est important d'adresser ce message à une jeune génération. Y creo que es importante predicar este mensaje a una generación joven. Qui a peut-être encore moins de souvenirs que nos pères, que nos parents. Que tal vez tengan menos recuerdos que nuestros padres. Et le message que je veux vous adresser ce soir. Y el mensaje que quiero dejarles esta noche. Quel souvenir veux-tu garder de cette période de ta vie? ¿Cuál es el recuerdo que quieres guardar de este periodo de tu vida? Du temps que tu passes aujourd'hui. Del tiempo que estás pasando hoy. Des moments que tu vis aujourd'hui. De los momentos que estás viviendo ahora. De ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui. De lo que estás construyendo ahora. En tant que jeune homme, jeune femme. Como un hombre joven, como una mujer joven. Quels sont les souvenirs que tu voudras un jour transmettre à tes enfants d'aujourd'hui? ¿Cuáles son los recuerdos de hoy que vas a querer transmitir a tus hijos mañana? C'est aujourd'hui qu'il faut y répondre. Es hoy que tienes que responder a esta pregunta. Alors c'est vrai, il est certain que on ne peut pas si facilement faire abstraction aux événements tragiques. Y es cierto, no se puede evitar recordar los eventos trágicos. No podemos hacer abstracción, eso se dice, ¿no? No existe. Bueno, disculpen, invento palabras. On ne peut pas faire comme s'ils n'avaient pas existé. No podemos hacer como si no existiesen. Un décès, une maladie, la perte d'un travail. Una muerte, una enfermedad, la pérdida de un trabajo. Un conflit familial. Un conflicto familiar. Peut-être que ce sont ces souvenirs qui sont très présents à ton cœur. Puede que sean esos los recuerdos que estén más presentes en tu corazón. Quand j'ai posé la question tout à l'heure, quel est le plus fort souvenir qui te vient à l'esprit, peut-être que le souvenir qui te vient, tu n'oses même pas en parler tellement il est choquant fort pour toi. Y hace tiempo cuando hice la pregunta, ¿cuál es tu recuerdo más importante? Tal vez ni siquiera te quieras decirlo en público porque es demasiado chocante y traumático. Ce soir, je ne dis pas qu'il faut mettre de côté ce souvenir. Esta noche yo no estoy diciendo que hay que dejar de lado ese recuerdo. Il faudra traiter ce souvenir traumatisant. Vamos a tener que tratar ese recuerdo traumático. Si tu ne l'as pas fait encore, il faudra en parler avec tes pasteurs, tes leaders. Y si aún no lo has hecho, habla de ello con tus pastores. Pour que tu puisses être accompagné. Para que puedas ser acompañado. Peut-être avec des professionnels de santé, tal des spécialistes. Con profesionales de salud, con especialistas. Parce que tu ne peux pas laisser ces souvenirs mauvais. Porque no puedes dejar esos malos recuerdos. Dominer et diriger ta vie. Dominar y dirigir tu vida. Ils ne peuvent pas résumer ta vie. Ils peuvent pas. Résumer. Ellos no pueden resumir tu vida. Et je souhaite aussi ce soir y deseo esta noche que tu puisses considérer l'avantage, que puedas considerar todas las ventajas, la force que cela te donne, la fuerza que esto te da, d'apprendre et de cultiver y el hecho de aprender y cultivar dans ton esprit, en tu espíritu,
tout ce que le Seigneur fait en ta faveur. Todo lo que el Señor hace a favor tuyo. Vous savez, ¿sabes? Le Seigneur nous donne toujours l'exemple. El Señor nos da siempre el ejemplo. Et le Seigneur fonctionne comme ça avec nous. Y el Señor funciona así con nosotros. Alors qu'il aurait toutes les raisons de garder le souvenir du mal que nous lui avons fait, él podría tener todas las razones de guardar el recuerdo de todas las malas acciones que hemos hecho. Il agit différemment. Él no lo hace eso. Funciona de manera diferente. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. No soy yo la, lo, el que lo dice, es la Biblia. Regardez le psaume 130, verset 3. Miren al Salmo 130, versículo 3. En français, le texte dit. En français, c'est intéressant. La traduction en français. Así que voy a traducir directamente en francés porque encontramos esta traducción muy interesante. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Si guardaras el recuerdo de nuestras iniquidades. Ok. Seigneur, qui pourrait subsister? Señor, ¿quién podría subsistir? Si tu gardais à ta mémoire. Si tú guardaras en tu memoria le souvenir de mes péchés, el recuerdo de mis pecados, qui pourrait subsister? ¿Quién podría subsistir? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Pero el perdón se encuentra cerca tuyo. Amen. Est-ce que tu crois dans cette parole? ¿Es que puedes, crees en esta palabra? Amen. Non? Si? Non? Sí, no? Le Seigneur a fait le choix d'oublier, de jeter au fond de l'océan tes péchés. El Señor ha decidido olvidar y tirar al fondo del océano tus pecados. Quand nous serons face à lui dans le ciel, cuando estaremos frente a él en el cielo, et je parle à des chrétiens, y hablo a cristianos, le Seigneur ne souviendra plus de tes péchés. El Señor no recordará tus pecados. Il se souviendra seulement des œuvres que tu as accomplies. Et c'est, él recordará las obras que has hecho. Je dis ça parce que parfois nous-mêmes, y lo digo porque a veces nosotros mismos, nous cultivons le souvenir d'une vie passée. Cultivamos el recuerdo de una vida pasada. Des fautes que nous avons commises. De faltas que hemos cometido. Au lieu de nous repasser le souvenir du pardon que Dieu nous a accordé. En lugar de pensar una y otra vez en el perdón que el Señor nos ha dado. Nous nous souvenons de ces moments où nous nous sentions seuls, sans réponse. Recordamos esos momentos en el que nos sentíamos solos, tan solos, sin respuestas. Peut-être parce que aujourd'hui à nouveau on se sent comme cela. Tal vez porque hoy te estás sintiendo así de nuevo. Mais nous oublions et nous, ou en tout cas nous ne cherchons plus à nous commémorer. Pero no buscamos o tal vez ya no buscamos recordar. Que quand, nous nous sentions seuls, que cuando nos sentíamos solos, à un moment donné, le Seigneur est venu. En un momento dado, el Señor vino. Il est venu devant nous comme un sauveur. Y vino delante de nosotros como Salvador. Mais le mal est si fort, le souvenir, et peut-être parfois le présent est si douloureux en nous. Pero el mal, en el recuerdo, el dolor en el recuerdo y tal vez el momento que hoy vivimos puede ser tan duro. Qu'on n'arrive plus à se souvenir que Dieu Jésus-Christ a déjà tout accompli. Que ya no logramos recordar que Jesucristo ya cumplió con todo. Et peut-être me direz-vous ce soir que mais comment éduquer nos esprits? Y tal vez te preguntes esta noche, ¿cómo educar mi espíritu? Au souvenir des bonnes choses. Ah, para recordar las cosas buenas. Plutôt que de se souvenir que des mauvaises. Y más, en lugar de recordar solo las malas. C'est si facile, si instinctif de se rappeler du mauvais. Es tan fácil y tan instintivo recordar lo malo. Et c'est si difficile. Y es tan difícil de se rappeler de ce que Dieu a fait de bon dans ma vie. Todo lo bueno que Dios ya hizo en mi vida. Comment faire? Je n'arrive pas à penser à autre chose que ce mal qu'on m'a fait. ¿Cómo hacer esto? No dejo de pensar en todo este en todo lo malo, el daño que me han hecho. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'au mal que j'ai fait. No logro pensar en otra cosa que en el daño que he hecho.
Je n'arrive pas à voir le bien, le bon dans l'épreuve que j'ai vécue et peut-être que je vis encore. No logro ver nada bueno en las pruebas que pasé o que aún estoy pasando. Comment changer ce souvenir? ¿Cómo cambiar este recuerdo? Et peut-être comment changer cette actualité aussi? Y cómo tal vez cambiar esta actualidad? Écoutez ce que dit Jésus. Escuchen lo que dice Jesús. Peut-être déjà l'équipe pour le pianiste il peut revenir. Tal vez el equipo de alabanza puede regresar. El pianista sobre todo. Jésus va dire dans Jean 14 verset 26. Jesús va a decir en Juan 14 verset 26, vous pouvez chercher. Versículo 26, pueden buscarlo. C'est... Juan 14 versículo 26. On connaît bien cette parole. Conocemos esta palabra. Puisqu'elle parle du Saint-Esprit. Ya que porque ella habla del Espíritu Santo. Jean 14 26. Juan 14 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les recordará todo lo que les he dicho. Nous avons en Jésus-Christ et à travers son esprit. Tenemos en Jesús y a través de su espíritu. L'équipement suffisant. El equipamiento suficiente. Pour contrer les mauvais souvenirs. Para contrarrestar los malos recuerdos. Écoutez bien ça, c'est important. Escuchen bien, esto es importante. Vous avez tout dans le Saint-Esprit. Tienen todo con el Espíritu Santo. Pour pouvoir cultiver, animer votre âme, votre esprit. Para poder cultivar y animar su alma y su espíritu. Avec des nouvelles pensées. Para renovar sus pensamientos. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas s'occuper des mauvaises. Repito, eso no quiere decir que ya no hay que ocuparse de lo malo. Mais croyez-moi qu'il sera plus simple de traiter les mauvais souvenirs. Pero créanme, será más sencillo tratar con los malos recuerdos. Si vous pourrez mettre devant chaque mauvais souvenir un bon souvenir que Dieu a fait dans votre vie. Si delante de cada mal recuerdo pueden poner un buen recuerdo pour de chaque... lo que el Señor hizo en sus vidas. Pardon. Pour chaque mensonge, por cada mentira, vous pourrez rappeler une vérité. Podrán recordar una verdad. Pour chaque injustice, por cada injusticia, vous pourrez vous rappeler d'une justice que Dieu a fait pour vous. Podrán recordar una justicia que el Señor hizo por ustedes. Pour chaque douleur que vous avez endurée, por cada dolor que tienen, vous pourrez vous rappeler de la joie, la paix que Dieu vous aura accordée. Recordar l'alegría y la paz que el Señor les ha dado. Il n'y a rien que Dieu ne puisse contrer par son Esprit Saint. No hay nada que el Espíritu no pueda combatir. Je crois que nous pouvons demander au Seigneur. Yo creo que podemos pedir al Señor. Par l'assistance de son Saint-Esprit. Por la asistencia de su Espíritu Santo. De nous rappeler ce que Dieu a enseigné, de nous rappeler à notre esprit la parole de Dieu, ce que Dieu a laissé à son Église. Que l'Espíritu Santo nos enseñe lo que Jesús dijo, que nos recuerde todo lo que Jesús enseñó durante su tiempo a la Iglesia. Mais je ne pense pas exagérer en disant que nous pouvons demander aussi au Saint-Esprit. Y no creo ser un exagerado cuando digo que también podemos pedir al Espíritu Santo de faire émerger en nous le souvenir des œuvres merveilleuses de Jésus. Hacer nacer en nosotros el recuerdo de las obras que él estuvo haciendo a través de Jesús. Je crois que ce n'est pas exagéré de demander au Seigneur de créer en nous des nouveaux souvenirs. Creo que no soy exagerado, que no exageramos cuando pedimos al Señor que cree nuevos recuerdos. Il y a des souvenirs, quand nous y pensons, ils nous font honte. Hay recuerdos que cuando nos vienen a la mente nos dan vergüenza. Si je dois me rappeler de quand j'avais 20 ans. Si debo recordar cuando tenía 20 años. Il y a des souvenirs dont je suis fier aujourd'hui. Tengo recuerdos de los que me siento muy orgulloso. Et d'autres qui me feraient rougir. Pero hay otros que me hacen enrojecer.
Mais je refuse que ce soit ceux qui m'ont fait du mal. Pero yo no permitiré esta noche que lo que me hizo daño qui détermine l'homme que je suis aujourd'hui. Determine el hombre que soy hoy yo. Alors mes amis, así que queridos amigos, quel souvenir veux-tu construire, bâtir, imprégner dans ton cœur pour l'avenir? ¿Qué recuerdo quieres que esté impregnado? ¿Qué recuerdo quieres construir hoy para tu vida mañana? Ce soir, il n'y a pas de fatalité. Esta noche no hay fatalidades. Ce soir, tu pourrais me dire, mais si tu connaissais ma vie, tu verrais qu'il n'y a pas grand-chose de bon à se souvenir. Si podrías decirme, si conocieras mi vida, te darías cuenta de que no hay gran cosa que decir de bueno. Pourtant, nous avons tous un souvenir en commun. Pero creo que tenemos todos un recuerdo en común. Et peut-être si ce soir tu n'es pas encore engagé avec Jésus-Christ. Y tal vez si esta noche aún no estás comprometido con Cristo. Ce souvenir peut être aussi le tien. Este recuerdo tal vez pueda ser también tuyo. C'est ce jour où Jésus-Christ a pris sur la croix tes péchés. Ese día en el que Jesucristo tomó en la cruz tus pecados. Tes maladies. Tus enfermedades. Toutes tes infirmités morales, physiques, spirituelles, psychiques. Todas las enfermedades físicas, morales, psíquicas. Él les a livrées, il les a clouées sur cette croix pour nous. Y las ha puesto sobre la cruz por nosotros. Ce soir, tu peux véritablement demander au Saint-Esprit d'imprégner ton cœur de ce qui est bon. Esta noche puedes pedir al Espíritu Santo que llene tu corazón de ese recuerdo. C'est à toi maintenant et on va prier ensemble. Ahora es tu turno y vamos a orar juntos. C'est à toi de choisir quel souvenir tu veux faire marquer dans ta vie. Tú debes elegir, vos tenés que elegir qué recuerdo querés que marque tu vida. Quel souvenir veux-tu avoir de cette soirée? ¿Qué recuerdo quieres tener de esta noche? J'espère pas juste le souvenir d'un pasteur français qui a prêché. Espero que no sea solo el recuerdo de un pastor francés que predicó. Mais je veux prier pour que dans 10 ans, quand tu te souviendras, quand on se reverra peut-être d'ici quelques années, tu pourras dire je me rappelle de cette soirée-là. Y más bien quiero esperar que en 10 años o en algunos años cuando nos volveremos a ver puedas decirme recuerdo aquella noche. Parce que Dieu m'a parlé, m'a visité. Porque Dios me habló y me visitó. Parce que le Saint-Esprit a marqué mon cœur. Porque el Espíritu Santo marcó mi corazón. Et si c'est pas ce soir, un autre jour, peu importe. Y si no es esta noche, será otro día. Mais no que importa. Mais que tu puisses avoir suffisamment de bons souvenirs. Pero que espero que puedas tener suficientes buenos recuerdos. Pour que tous les mauvais. Para que todo lo malo. N'aient plus la même empreinte dans ta vie. No tenga la misma esencia en tu vida. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Podemos levantarnos. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Vamos a cerrar los ojos todos juntos.